Hey, bonjour, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein de trucs très cool. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview d'auteur avec Xavier Bocher. Salut Xavier. Salut Simo. Tu vas bien? Ouais, impeccable et toi? Ouais, ça va, impeccable. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour l'interview, ça fait super plaisir. Eh ben, écoute, plaisir partagé, hein. Fait vraiment plaisir d'être en interview avec toi. Très cool, Vraiment, merci. vraiment. Ça va être très très cool, je pense. Et je te propose qu'on commence directement. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, dire un peu ce que tu fais, comment tu le fais, et après on rentrera dans d'autres questions un peu plus en lien avec l'écriture. Yes, ça marche. Bah alors moi, c'est Xavier Bocher. Je suis auteur de L'Essentiel, donc le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Le Premier Phénix. J'ai commencé à écrire ce truc-là dans le cadre d'un projet pour le cinéma, en fait, pour le scénario. Donc on y reviendra certainement. Et donc voilà, là je suis auteur à temps plein depuis vendredi pour écrire le tome 2 et la suite. Et puis je suis aussi sur une formation de coaching en développement personnel et en bien-être pour accompagner les personnes, leurs ambitions, leurs rêves, comme moi par exemple, aller jusqu'au cinéma avec mon histoire. Ouais, Voilà. c'est très cool, c'est très intéressant. Et félicitations d'ailleurs pour le lancement en temps plein pour l'écriture, c'est un grand pas. Ça s'est passé facilement la décision ou c'était long? Comment c'est passé? C'était sur un coup de tête? C'était prévu? Alors, c'était prévu et pas prévu. En fait, j'avais dans l'idée de me mettre à mi-temps pour commencer un petit peu mes affaires. De coaching en parallèle de mon travail. Et il y a eu le confinement de l'année dernière, donc il y a pile un an. Donc il y a pile un an, je me suis retrouvé chez moi et c'est là d'ailleurs que j'ai commencé à me dire, bon, bah c'est parti, je vais écrire. J'ai commencé à écrire, j'ai fini le bouquin à peu près à la fin du confinement. Et puis j'ai recommencé à travailler. Et en fait, cette espèce de laps de temps où j'ai fait autre chose que mon travail m'a peut-être filé un déclic différent. Et en fait, après, il y a eu la reprise du travail, il y a eu les protocoles, il y a eu pas mal de choses, il y a eu des, bon, il y a eu énormément de choses qui sont mises en place et du coup qui m'ont un peu dit, bah écoute, non, en fait, tu devrais quitter ton travail totalement et vraiment te lancer à temps plein dans tes formations, dans vraiment ce que tu aimes faire. Et sachant que je suis un peu comme ça, j'avais déjà pris une décision de dire au revoir à tout le monde pour un voyage en Australie il y a quelques années. Et je dois tenir ça de ma mère. La prise de décision chez moi, ça se fait sans fioriture. C'est, Ah je ouais, prends une c'est décision. Je fais confiance à mon intuition, je me dis que quand je prends des décisions comme ça, c'est que derrière, même si moi-même je ne m'en rends pas compte, c'est mûrement réfléchi en fait. Et ben là, je me sens bien depuis. Tant mieux. Voilà, c'est que ça roule. Ah bah Du coup, ouais. non, ce n'était pas prévu comme ça, mais c'était Ok. quand même prévu Ouais, plus à ou la base. moins. Ouais. Ok. C'est génial ça. Ça demande beaucoup de conviction de pouvoir s'engager comme ça sur des décisions. C'est pas impulsif, mais en tout cas inconsciente, tu vois. C'est intéressant. Et ton activité de coaching, est-ce que tu vas la combiner avec l'écriture ou aucun rapport, c'est deux choses différentes? Alors, dans un premier temps, là, je vais me consacrer vraiment à l'écriture. Ok. En parallèle, je vais finir mes formations. La partie compliquée, elle est juste là, c'est que du coup, je lis beaucoup de bouquins de développement personnel, Ok. de formation ou autre. Et du coup, combiner ce type de lecture à de la fiction, la lecture de fiction, c'est différent. Du coup, tu es en face des deux types de bouquins. C'est différent de, tiens, j'ai l'histoire d'un tel, j'ai machin, j'ai une pile hyper grande. Je me dis, tiens, lequel je vais lire? Là, c'est vraiment différent. C'est la seule difficulté que j'ai pour le moment. Mais sinon, enfin, là, je suis sur une bêta lecture, donc là aussi, focus dessus.
Sur la bêta lecture de d'Arkeria tome 2 de Laura Schiffer, ouais. Qui est encore mieux que le 1. Petit coup de pub. Ah, de ouf, très bien. Alors tu vas te rendre compte, hein, j'aime beaucoup parler des copains. Hein. C'est parfait. Surtout quand c'est bien fait. Ouais. Et donc, là, je suis sur cette bêta lecture. Donc, pour l'instant, ma formation, ça passe un petit peu à la trappe. Mais bon, c'est, je sais que c'est, voilà, c'est une priorité, c'est un laps de temps défini. Et donc, voilà, là, je suis sur l'écriture à temps plein. Donc, j'y mets 30-35 heures par semaine. Et j'occupe mon temps libre pour continuer mes formations, etc. Mmh. Donc ça, c'est jusqu'à cet été. Enfin, c'est, le plan, c'est ça, jusqu'à l'été. Et septembre, je démarre un peu mes services de coaching, d'animation sportive, etc. De tout ce que je fais en bien-être, etc. Ouais. Donc, okay. C'est vraiment des blocs définis. Ouais. Une chronologie presque déterminée jusqu'à septembre, quoi, plus ou moins. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. J'aime bien le temps présent. Ouais. Après, du coup, j'aime bien m'organiser sur, sur des... Bah, j'avais posté mon emploi du temps il n'y a pas longtemps en story. Ouais, j'aime bien quand c'est cadré. Parce que quand c'est cadré, je sais qu'il y a des moments où je peux dire, tiens, maintenant, en fait, on va faire ça. Mmh. Tu vois, bon, là il y a moins de place à cause des couvre-feux, des trucs comme ouais. Parce que du coup il y a moins de sorties, mais j'aime bien me laisser un peu voguer de temps en temps parce que je sais que c'est cadré de toute façon. Quand tu reviendras, tu auras un cadre, en fait. Voilà, c'est ça. Donc j'aime bien définir le cadre pour pouvoir m'autoriser des petites sorties. Donc là, le cadre, c'est focus écriture et formation jusqu'à septembre. Ok, au moins tu sais où tu vas, tu vois. Et puis s'il y a des petits écarts entre temps, ce sera juste pour ton plaisir, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est cool. C'est ça. Très très bon projet. Bon courage. J'espère que ça va se passer comme tu veux. Très cool. J'espère aussi. Et je vais revenir sur l'écriture, si tu veux bien. Yes. T'as dit que tu voulais mener ton projet au cinéma et que tu l'avais pensé pour le cinéma à la base. Comment ça se passe, par exemple pour l'essentiel. Mmh. Est-ce que c'est la première idée que tu as eue ? Est-ce que c'est lié au fait que tu as voulu à la base monter ton projet au cinéma ? Et est-ce que tu peux nous donner, du coup, vu que tu aimes les timelines, une chronologie de quand ça s'est passé, ça ? Est-ce que c'était à 5 ans, à 25 ? Comment ça se passe, tu vois ? Wow. Pour qu'on ait des repères un peu plus, déjà de temps et de, un peu de prise de décision et de prise d'action. Tu vois ? Yes. Chronologiquement, on va essayer de faire ça jusqu'au temps présent de manière globalement, concise possible. On n'est pas à la date près, tu vois. Non, mais en fait, donc avant, j'étais dans la musique. Mm-hmm. J'étais chanteur-guitariste d'un groupe de métal. J'en mets. Il y a une quinzaine d'années. Et on cherchait un peu le nom du groupe, le machin et tout. Et à ce temps-là, il y avait MySpace. Et Skyblog, je crois. Ah, ça fait longtemps. Je crois que c'est ça, Skyrock Blog ou Skyblog. C'était Skyblog qui est devenu Skyrock après. Ouais, c'est ça. C'est pas tout frais. Et du coup, c'était la mode de faire des biographies fictives. Ouais. Surtout dans le métal. Et du coup, je suis parti de là. Du coup, j'ai créé une histoire avec les quatre membres du groupe qui étaient les quatre fils de Lucifer. Donc, j'ai écrit une petite biographie fictive avec des pouvoirs, des petits trucs. C'était pas grand-chose, hein, mais vu que j'écrivais beaucoup de chansons en ce temps-là, le genre de petites idées comme ça, écrites en 10-15 lignes, ça allait vite, quoi. Ah ouais. Du coup, c'est parti de là et... Quelques mois plus tard, je me suis réveillé en pleine nuit, mais vraiment en pleine nuit, avec un espèce de gros flash. Alors, tu vas voir que je fonctionne beaucoup par gros flash. C'est peut-être mon intuition, hein, au bout d'un moment, qui me dit « Hey, il y a un truc là ». Et je me réveille et je dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire dans ma tête ?» Et alors, j'ai toujours été… ça va mieux aujourd'hui, forcément, vu que j'écris, mais le français, pour moi, c'est une langue hyper difficile. Ok, ouais, c'est vrai. Je me suis levé et j'ai pondu 14 pages Word
D'une traite? D'un coup. Ouais, d'une traite, à 3h du matin. Ah oui, ça c'est l'inspiration, quoi. J'ai fini le truc et j'ai dit, oh, c'est marrant ce truc-là. Alors, c'était la continuité de la biographie fictive, ou en tout cas, c'était vraiment beaucoup plus développé. Ouais. Et pour le coup, c'était la base de toute ma trilogie d'aujourd'hui. Donc en fait, j'ai regardé ce truc-là, j'ai dit, ah, c'est cool, je suis content de l'avoir écrit. Je suis parti me recoucher. Okay. J'ai montré ça à quelques potes. Tout le monde m'a dit, ah, mais c'est original ton truc. Ah, c'est cool, franchement. Attends, tu vas en faire quoi? Bon, je sais pas. J'ai écrit ça comme ça. Je trouve ça cool. Voilà. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Et j'ai totalement laissé l'histoire de côté. Alors, pour te dire, j'ai tellement laissé l'histoire de côté. J'avais un pote qui écrivait des bouquins. Je lui ai donné l'histoire. Ah. Mais bon, vu que c'était une feignasse finie, il n'a rien fait avec. Ok, t'as de la chance. Voilà. C'est ou la chance, ou c'est parce que ça devait être sur mon chemin à moi. Ouais, aussi l'un ou l'autre. Ça fonctionne un peu comme ça. Et une amie qui était dans les études de, pareil, du cinéma, tout ça. Et elle visait très, très haut. Et du coup, je lui ai dit, écoute, tu auras forcément un projet à la fin, un truc à donner. Moi, mon truc, je te le donne si tu vas jusqu'au bout. Et elle a kiffé. De toute façon, elle kiffait bien l'histoire déjà et tout. Mmh. Pareil, cette personne, en fait, n'est pas allée au bout. Okay. Voilà. Et donc, j'étais aux États-Unis avec cette fille-là. Donc ça, c'était il y a... c'était en 2013. Ouais, 2013. Donc, il y a 8 ans. Mmh. Et du coup, on passe devant une affiche de The École de cinéma. Et je lui dis, tiens, tu vois, par rapport à ton ambition, c'est ça qu'il te faut. Et en fait, même si tu n'y vas pas, là, il y a une porte ouverte. Alors, il y avait une porte ouverte. Et je lui dis, ce jour-là, on ne voyage plus, on arrête tout, on va là-bas. Et ça n'a pas marché, parce qu'elle s'est rendue compte qu'avec la distance, tout ça, ça ne lui allait pas, que ça mettait un frein à son ambition, tout ça, machin. Et moi qui vise très, 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 très haut, j'avoue que, bon, je ne te refais pas toute la discussion, mais ça ne m'a pas plu de ouf. Okay. Et du coup, on en est venu à la conclusion que son ambition, elle n'était pas à cet endroit-là, en tout cas. Donc, voilà. Après, c'est une fille qui se donne, elle fait beaucoup de sport, elle est super. Mais là, ça n'a pas marché. Mmh. Voilà. Donc, du coup, je lui ai dit, écoute, du coup, il n'y a plus le deal qu'on s'était fixé. Oui. Donc, du coup, je reprends mon histoire. Enfin, du coup, tu l'auras pas, quoi. J'annule le deal. Voilà, c'est ça. Et derrière, il y a eu derrière le voyage aux États-Unis, j'ai tout quitté. Juste avant, j'avais tout quitté en France. Et je suis parti 11 mois en Australie. Mmh. Et donc, reflash. Donc j'ai eu une grande révélation le soir de Noël, en fait, le 25 décembre 2013. Je me suis retrouvé tout seul sur la plage à faire la grande acceptation de toute ma vie, de tous les échecs, de tout. Dans le développement personnel, l'acceptation, c'est beaucoup, et c'est de ça que traite mon tome 1. Et en fait, quelques mois après ce Noël, je me suis réveillé, j'étais en pleine journée, j'étais bien. Et là, gros flash. Et là, j'ai des dialogues, j'ai des scènes de combat qui se mettent en place dans ma tête. J'ai tout un univers, il y a un monstre, un amas de choses qui se mettent en place dans ma tête, mais un truc monstrueux. J'avais toute la trilogie dans ma tête. De A à Z. Ça, c'est cool. Putain. Alors, inespéré, De quoi ? C'est inespéré, genre. Ah oui, totalement. Totalement. Et donc, mon frère qui est un peu dans... qui bosse à la télé, qui bouffe des films comme je ne sais pas quoi, qui les a étudiés, qui a fait des études là-dedans, tout ça. Mm-hmm. Je lui en parle, donc ça, c'est... c'est un peu dans ce que je disais dans mon feed Insta. Je suis allé le voir, donc j'étais en chat, hein, puisque j'étais en Australie, et je lui dis, oh, frangin, j'ai une idée monstrueuse, je vais écrire une trilogie de scénarios pour le cinéma. Il me répond, mais tu veux pas t'entraîner avec un court-métrage pour commencer, ou okay. Genre, qu'est-ce qui te prend, quoi?
Et on a une grosse discussion, et il sait que moi je suis très. Alors lui, il est très dans la tête, moi je suis très dans l'émotion, dans l'énergie, comme ça. Et je lui dis, mais non, 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 je sais que tu ne peux pas comprendre parce que même moi j'ai un truc dans la tête qui est énorme, mais je te jure que c'est ça, j'ai tout. Et il me dit, mais. Commence à écrire, quoi. Enfin, ouais, fais, quoi. Fait, voilà. Et il me dit, mais ça va être compliqué, quoi. Il dit, mais tu vises quel marché? Alors lui, tout de suite, dans ses trucs, ouais, je dis, ouais. Non, non, moi, c'est les États-Unis. Parce que je sais qu'un truc comme ça, ça ne marchera pas en France, parce que les films fantastiques de ce niveau-là, ça ne marche pas, il n'y a pas assez de monde. Voilà. Et je lui dis, mais là, regarde, je parlais très bien anglais à ce moment-là, c'était le moment où j'étais très, très bien en anglais. Du coup, j'ai tout écrit en anglais. J'ai commencé à dialoguer avec des Américains que je connaissais, qui m'ont fait découvrir d'autres gens, etc. Et du coup, j'ai commencé à écrire le scénario à ce moment-là. Donc ça, c'était il y a 8 ans. Et depuis, je bosse avec un Américain avec qui je bosse toujours. Pardon, t'avais quel âge à ce moment-là quand t'as eu cette épiphanie sur la plage? 26 ans, du coup. 27 ans. Alors, j'ai du mal avec mon âge. 27 ans, je crois. Ok. T'as vécu de plein fouet le retour de Saturne, quoi. Ouais, c'était c'est un moment, t'as la notion de deuil, en fait, de toi-même que tu fais, et une notion de renaissance, en fait. Et alors j'en parle dans la page de remerciement de mon bouquin. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Brett et qui m'a mon ange à moi, en fait. Ouais. En fait, il m'a fixé. Attends, qu'est-ce qui. Ouais, il m'a posé juste la question, il m'a dit, c'est quoi ton métier dans la vie? Et il m'a posé que cette question-là, il me l'a posé 4 fois le temps vraiment que je comprenne. Et quand j'avais compris, j'ai regardé, je dis, mais moi, je veux aider les gens. Il me dit, qu'est-ce que tu fous là? Enfin, ah ouais. En fait, il a lu en moi. Ça, c'était le 24 au soir. Et du coup, vers minuit, je suis parti tout seul. Alors, j'étais déjà loin de ma famille, forcément, en Australie. Mais là, du coup, j'étais vraiment tout seul. J'ai passé, 3 heures à chialer sur la plage, à vider plein de trucs que tu poses même pas de mots dessus, en fait. Et après, je me suis jamais senti aussi fort. Et quelques mois après, j'ai le truc qui vient et tout s'est mis en place depuis. Et du coup, j'ai le scénario, j'ai participé à des concours de scénario. J'ai eu beaucoup d'encouragement. J'ai eu une 3e place sur un concours avec énormément de participants. Donc, c'était super cool. C'est très cool, ça. Ouais, et j'ai rencontré quelqu'un qui bosse sur mon scénario, qui m'aide et qui m'a toujours dit, ton truc, ton univers, il est beaucoup trop gros pour n'en faire qu'un scénario. Il faut que tu écrives un roman. Et il m'a bassiné avec ça pendant 2 ans, peut-être. Ouais. Et je lui ai dit, là, j'ai pas le niveau, parce que j'ai pas le niveau en anglais, pour le coup. Et c'est pas la même chose, ouais. Fait non plus, quoi. Je lui dis, ça n'a rien à voir. Ouais. Il dit, mais c'est cette notion, tu sais que tu dois l'oublier, tout ça. Enfin, il m'a poussé. Et je sais qu'aujourd'hui, ce qui marche au cinéma, c'est... Ah oui, la première chose qu'il m'a dit quand il a vu mon scénario, c'est il m'a dit, le gros point fort de ton scénario, c'est que c'est unique. J'ai jamais lu un truc comme ça. Le gros point faible de ton scénario, c'est que c'est unique. J'ai jamais lu un truc comme ça. Oui. Et c'est là qu'il m'a dit que ça lui faisait beaucoup penser à peut-être toutes les sagas qui sortent au cinéma en adaptation. Et il m'a dit, voilà, les mecs, s'ils font ça, c'est parce que ça a déjà marché en bouquin. Et du coup, il m'a poussé. Et y a eu le confinement. Donc, on en vient au temps présent, enfin, de l'année dernière. Confinement, je pense qu'il est temps. C'est parti. Voilà. Tu sais tout. Ok, nickel. Donc, ça nous ramène à aujourd'hui. Ouais. C'est intéressant, c'est un parcours complexe. Ça s'est pas décidé du jour au lendemain, mais presque. Et en plus, pour arriver au fait que ce soit un roman, c'était pas gagné d'avance, quoi. C'est intéressant. Non, c'était pas gagné d'avance. Alors, j'ai la chance d'avoir une compagne qui est professeure des écoles, donc français et connaît. Ok. Son fils est un bouffe. Quand je te dis qu'il bouffe des bouquins, mais il bouffe des bouquins. Tu sais, les Eragon et compagnie, il les a lus 10 fois, quoi. Enfin, ah oui, d'accord, ok, ouais.
C'est ouais. Affolant. Enfin, moi, mon bouquin, il fait 130 000 mots, il fait 400 pages. Il l'a lu en trois coups. Ah ouais, putain. Tu vois, il s'est mis dessus trois fois. Ouais. Et il avait fini, quoi. Donc, bon. Ça, c'est un gros lecteur, quoi. Ouais. Et du coup, intrinsèquement, il sait écrire. Du coup, il a été d'une grande aide pour ça, quoi. Et alors, du coup, il repère des fautes, mais il a un œil de lynx, quoi. Putain. Et du coup, je suis hyper bien entouré à ce niveau-là. Et ça m'a permis un peu aussi de me libérer de mes craintes au niveau français, parce que j'ai commencé. Mes phrases, elles faisaient 5 lignes. Avec tout plein de trucs, tu comprenais rien au final. Enfin, moi, je comprenais tout ce que j'écrivais, forcément. Ah oui, forcément, c'est toi qui écris. Il faut faire ça en trois phrases, ta phrase là, ça veut rien dire. Ça, c'est vraiment un gros problème au début, quoi. Ouais. Et je me suis libéré de ça, et là, j'ai repris un peu l'écriture depuis vendredi, et je ressens que j'ai déjà progressé à ce niveau. Ouais. Et ce sera encore mieux pour le troisième, etc. Tu vois. C'est une méthodologie, c'est une méthodologie acquise, en fait, et ça s'acquiert, et du coup, c'est très empirique comme connaissance, l'écriture. Du coup, en l'écrivant, du coup, c'est un paradoxe, mais du coup, plus t'écris, et plus t'écris mieux, tu vois. Ça s'apprend pas autrement qu'empiriquement. C'est-à-dire que tu peux théoriser autant que tu veux, mais si tu poses pas ton cul pour écrire, en fait, tu vas pas t'améliorer dans l'écriture. Tu connaîtras les concepts, du coup, tu pourras faire une conférence sur l'écriture. Ce sera pas pour autant un bon écrit, tu vois. Ouais. C'est très intéressant. Ouais, c'est vrai. Et au sujet de ton livre, du coup, vu que, a priori, tu me diras que tu étais peut-être prédestiné à le faire, mais en tout cas, tu n'étais pas formé pour le faire, pour écrire ton roman. Non. Tu vois. Comment ça marche, du coup? C'est quoi? Comment tu as choisi ta méthodologie? Comment tu as choisi un plan d'action? Comment ça a fonctionné, en fait, pour écrire le bouquin? Est-ce que c'était chaotique? Est-ce que tu t'es lu? Est-ce que tu t'es formé? Comment tu as fait? Alors, pour le scénario, parce qu'on va commencer par le scénario, je pense, sinon ce serait pas logique. Pour le scénario, mon frère m'a dit, écoute, c'est simple, hein, tu vas apprendre à écrire un scénario, t'en lis. Ouais. Tu lis des scénarios. Il m'a acheté des films, parce qu'il est à fond dans mon projet. Il aime bien les choses vraiment originales qui parlent vraiment bien travaillées de fond, tu vois, qui ont du sens. Du coup, il est à fond dans le projet et il m'a donné, il m'a acheté des DVD de films oscarisés. Et il m'a dit, il faut que tu vois ce genre de film et il faut que tu vois des grosses bouses. Mmh. Il faut que tu comprennes pourquoi ces grosses bouses n'ont pas fonctionné. Mmh. Il faut que tu comprennes pourquoi ces films ont réussi. Et en fait, j'ai passé des jours et des nuits pendant 2 mois à lire des scénarios en même temps. Alors, je lisais le scénario. Une fois qu'il était lu, j'avais 2 écrans. J'avais le scénario que je faisais défiler pendant que le film tournait. Alors après, c'est difficile d'avoir le vrai scénario correspond au film, parce qu'après, les réalisateurs se font plaisir. Et des fois, ils se font bien plaisir. Parfois, ça n'a rien à voir. Voilà. Et j'ai passé mon temps à faire ça. Et du coup, j'ai appris comme ça. Plus la rencontre dont j'ai parlé tout à l'heure, là, Marty, mon petit pote américain, qui m'a, sur le format, qui m'a vraiment, vraiment bien appris les codes. Et pour le roman, du coup, j'ai acheté un bouquin. Ah oui, donc pour l'écriture, par contre, de mon scénario, donc j'ai pas fini. Pour savoir écrire un scénario, c'était ça. Pour écrire mon scénario, j'avais aucune méthodologie. C'était, pour n'importe qui, ça aurait été un gros bordel. Mm-hmm. Alors après, j'avais plein de choses placardées sur mon mur, des timelines. J'avais tous les personnages, j'avais comme un casting, en fait. Tous les personnages avaient leur visage et tout. T'avais des timelines d'intrigues, tout ce qui est intrigue principale, secondaire et tout. Les humeurs aussi, l'humeur du personnage, l'humeur générale de l'intrigue. Si t'es dans le positif, si t'es dans le négatif, comment les trucs se construisent. Et en fait, je faisais plein de trucs comme ça. Alors, c'était ma tapisserie de la chambre, c'était ça. C'est joli. C'est vraiment dommage, je regrette de ne pas avoir pris de photos.
Pour ça, parce que c'était, j'avais pas de mur blanc en fait, j'avais que des feuilles accrochées. Et donc gros bordel. Et en fait, quand tu arrives au 3 et que tu vois qu'il y a des petits trucs qui vont pas dans le 3, tu te dis, ah ouais, mais du coup, il faut que je change ça. Mais si je change ça, il faut que je change un truc dans le 2. Si je change ça dans le 2, il faut que je change un truc dans le 1. Et ça, je connaissais absolument tout par cœur. Tout, tout, tout. Pour n'importe qui, ça aurait été un bazar fini, quoi. Et ça m'a apporté le petit truc qui va pas, c'est que je connais trop par cœur mon histoire et qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, pour moi, c'est évident. Donc, je ne le dis pas, alors que ce n'est pas évident pour d'autres. Et au contraire, je passe du temps sur des trucs évidents pour d'autres, mais que moi, je veux vraiment appuyer parce que si, parce que ça. C'est super important, regardez. Ouais. Et donc, du coup, le roman, c'était donc plus développé que le scénario, parce que là, tu parles beaucoup plus, notamment de ce que ressentent les personnages, etc. Est-ce que là? Le pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et là, j'ai eu besoin de bêta-lecteurs pour vraiment comprendre au début ce qui était important d'écrire, là où il fallait que j'insiste, et là où j'insistais trop. Et ça s'est fait en 2 étapes. J'ai écrit un scénario amélioré, on va dire. J'ai repris mon scénario que j'ai amélioré. J'ai acheté un bouquin en fait qui s'appelle Comment transformer son scénario en roman. C'est efficace. Voilà. Et du coup, je l'ai un peu amélioré. Donc ça faisait très trop dans l'action. Tu sais, il se lève, il fait ça, il machin, truc comme ça, quoi. Pour le coup, le show, show don't tell, là, il était pas du tout. Et là, on m'a dit, non, c'est pas comme ça, il faut que tu... Alors, le problème, c'est que j'ai pas lu beaucoup de romans. Ma chance, c'est que dans l'étude de mes scénarios, c'est que j'avais en tête tout mon univers et il fallait que je sache comment le retranscrire. Et en fait, comment j'ai fait ça? J'ai fait ça avec Harry Potter. Ok. T'as lu Je ça? lis, j'ai lu la saga en regardant le film. Ok. Alors le bonheur, c'est que moi, je suis tombé pile poil. Quand j'ai fini le 6, c'était le 7 qui sortait au cinéma. Ah, c'est cool ça. Donc j'étais bien à ce niveau-là. Et en fait, je me suis dit, tiens, quand j'ai commencé le roman, je me suis rappelé, ah oui, c'est comme ça qu'on écrit un petit peu. Alors pour le coup, la plume de J.K. Rowling ne se retrouve absolument pas dans ce que j'écris. Apparemment, ma plume serait assez cinématographique et aussi originale que l'histoire, un peu atypique. Ok, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir aussi là-dessus. Pour le coup, là, je le remets vraiment sur. On m'a beaucoup aidé. Hein. C'est vraiment. Même si je suis à la base du projet, du truc, je sais qu'il y a plein de gens qui sont derrière mes Oui. doigts quand je tape et derrière ma main quand j'écris, quoi. Oui, c'est un travail solitaire, mais paradoxalement, pas que. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et il C'est-à-dire. y a des choses, voilà, je sais que c'est moi, il y a des choses, je sais que c'est nous, quoi. C'est une Oui, c'est équipe. ça. C'est pas, ouais, c'est difficile de résumer l'écrit à l'écrivain, parce que finalement, personne d'autre que toi ne va poser les mots sur le papier. En revanche, à peu près tous ceux à qui tu vas le montrer auront un avis dessus. Ouais, c'est ça. Et bah, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus, hein. Ça, de toute façon, il faut se le mettre en tête. Et c'est Et tant pour mieux, à vrai finir, dire. oui, bah Je oui. trouve. Sinon, on aurait tous le même bouquin, hein. Bah, c'est ça. Sinon, ce serait un bouquin. Et en fait, ça veut dire que l'auteur n'a pas de parti pris, n'a pas de patte, n'a pas de. Tu vois. C'est Et du ça. coup, que ça plaît à tout le monde, ça veut dire que c'est tiède, quoi. Au C'est final. ça. Et Mais pardon. bah, bon. De quoi? Mais pardon, je te laisse finir. Ah oui. Non, bah, pour finir, justement, quand j'ai fini ce truc-là, grâce aux réseaux sociaux, pareil, j'ai rencontré Margot Moya, je ne sais pas si tu connais, Non. auteur de La Fuite. Non, tu vois pas. Enfin, elle fait de la bêta lecture aussi.
Ça me dit rien, désolé. Et bah du coup Margot, enfin une fille adorable à qui j'ai parlé en fait comme ça d'autres de choses et d'autres. Et en fait, la manière dont on s'est parlé, le sujet est venu. Et là, je me dis, en même temps qu'elle écrit, c'est qu'on est fait pour bosser ensemble. En fait, je le pense. Et moi, j'aime bien ces trucs de la vie où tu te dis, ah, faut que tu ailles là. Et donc, je lui dis, écoute, j'aimerais bien une dernière bêta lecture. Alors, pour le coup, je n'ai pas besoin de corrections, de trucs et tout, même si tu spots un petit peu des petits trucs, c'est pas. Voilà, tu peux me le dire, mais vraiment axe sur le fond de l'histoire, le truc et tout. Elle me dit banco. Et donc, elle a lu le bouquin. Elle m'a fait une super bêta lecture. J'ai toujours le petit fichier là sur mon bureau. Super bêta lecture qui m'a permis d'installer ou de changer des tout petits trucs qui font la diff. Et super bêta lecture. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit. Ça y est, c'est fini. Le bouquin, il est bien. Pas le moment où tu fais mieux, tu fais mieux, tu fais mieux, et il y a un moment où il faut que tu te dises c'est bien. Ouais, c'est bien. Parce que ça ne pourra pas être parfait, puisque tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Non. Tu as un moment, c'est mieux, 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 bien. Arrête-toi là, parce que si tu veux faire mieux, ce sera moins bien. C'est ce truc-là qu'il faut que tu vises. Et c'est là que je me suis dit, c'est parti. Là, j'ai écouté assez de critiques, j'ai écouté assez de guides pour que ça m'aille. Et aujourd'hui, je vois tes vidéos, je pense à deux, trois mecs sur Insta qui t'es conseil d'écriture. Et à chaque fois, je me dis, ah, ça, c'est un travail que j'ai fait. Ah, ça, c'est un travail que j'ai fait. C'est très satisfaisant, ça. Tu vois. Voilà, tu te dis que tu es dans le vrai, quoi. Ouais. Bon, après, maintenant, il y a que les lecteurs qui comptent, hein. Enfin, moi, pour moi, il y a des lecteurs qui aiment, il y aura des lecteurs qui n'aimeront pas. Bon, t'aimes bien quand c'est une majorité de gens qui aiment, hein, Bah, a forcément. priori, c'est ça. A priori, c'est le but, quoi. Tu préfères que ça touche. Ouais, c'est ça. Voilà. À moins de viser une niche, mais ça, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est en tout cas. Ce qui compte, c'est que j'ai fait un truc qui me parle à moi à 100%, avec quand même une forme où j'ai quand même écouté tels les autres, où il y a eu pas mal de trucs que j'aurais pas fait tout seul. Et même des fois où je me dis, tiens, ça me parle, la personne a su me dire un truc qui me parle encore plus, mais auquel j'ai même pas pensé, quoi. Ouais, c'est ça. Marie Monnier pour la couverture qu'on vient de refaire. On vient de finaliser la. Alors, je te montre l'ancienne, même si elle est en épreuve. Ça, c'est petit exclu. Voilà, ça, c'est l'ancienne couve. Enfin, c'est la couve actuelle qui va devenir ancienne couve. On a changé tout le haut, en fait, tout le titre. Et bon, ça change toute la couve. Et j'avais des trucs en tête, forcément, quand je suis allé voir Marie. Je lui ai dit, tiens, il faut que je change ma couve. Est-ce que je peux faire deux, trois petits trucs? Et elle est affolante pour ça. En trois phrases, je me suis dit, ah oui, d'accord. On discute un petit peu. Elle me dit un autre truc. Je fais, oh punaise, j'y ai pas pensé, punaise, mais c'est ça. Tu vois, un truc génial. Et je suis assez content du rendu. Je vais bientôt le poster. Hey. J'ai hâte de le mettre en ligne aussi Bah, oui, j'imagine. pour commander autre chose que cette petite épreuve qui me reste. Oui, c'est clair. Mais voilà, là j'en suis. Du coup, j'en suis là avant de me replonger à l'écriture dès demain matin. Je fais la C'est matinale pour l'écriture. OK. Voilà. Là, je suis vraiment, vraiment content de ce que Marie a fait pour ma Ça couve. Elle a doit. fait d'autres couves et franchement, je la conseille. Ouais, franchement, elle fait du super boulot. Moi, j'aime bien son taf pour ses bouquins à elle et pour ses prestations. C'est vraiment, franchement, c'est du très bon boulot, quoi, je Ah ouais, trouve. grave. Ouais. Et d'ailleurs, vu que tu nous as montré ton bouquin, est-ce que tu peux nous le remontrer un peu? Et est-ce que tu pourrais nous, pour ceux qui ne connaissent pas, nous faire un pitch, de la trilogie, si tu veux, et en particulier, du coup, du premier tome. Tu peux nous teaser un peu ou pas? Ouais, alors la trilogie déjà, donc la trilogie Le Premier Phénix, qui s'appelait avant Le Porteur de Lumière, alors très D'accord. classique parce que ça parle de Lucifer.
Ok. Ouais. Mais le porteur de lumière, c'est ce que veut dire en fait Lucifer. En fait, ça veut dire le porteur de lumière. En hébreu. Et en latin, je crois. En latin. Ok. Ouais. Non, je ne sais pas du tout. Je veux ça. Non, c'est ça. C'est, je crois okay. que c'est du latin. Soit c'est Lucie et Fer. Lucci, Lucci. Ah bah oui, ouais, c'est du latin. Et en fait, bon, c'est quelque chose qui parle de la lumière qu'on a en soi, en fait. Donc, tout ce qui est des notions de cœur, de bonté d'âme, etc. Donc, la lumière. Bah, au niveau religion, voilà, la lumière de Dieu, tu vois, le bien. Et en fait, il y a cette double, il y a ce double sens, donc le porteur de lumière qui veut dire Lucifer, et en fait, il y a toute cette notion dans ma trilogie de qui est-ce qui l'apporte en fait ? C'est qui le porteur de lumière ? Mais bon, ce titre, il est un peu trop. Déjà, on l'a déjà vu plein de fois sur d'anciens films, et moi, on m'a déjà mis le doigt dessus, on m'a dit ton truc là d'emblée, pour moi, c'est vu et revu. En fait, les mecs, dès qu'ils commencent, ah non, en fait, il y a une vraie histoire. Mais ça, du coup, c'est difficile à vendre. Ouais. Donc, changement de titre. Et en fait, donc, le premier Phénix, le titre de la trilogie, Phénix, c'est le nom que Lucifer, en fait, quand il est déchu, juste, c'est son nom de déchu, en fait. Il est rebaptisé. Parce que tous les déchus, du coup, ont deux noms. Ils ont leur nom. D'origine que Dieu leur a donné, et quand ils sont quand ils arrivent dans les abysses, donc les enfers, moi je les appelle les abysses, ils ont un deuxième nom, et du coup Phénix, c'est le nom de Lucifer. Et pourquoi Phénix? Parce que le long de la trilogie, il y a toute cette notion de renaissance, mais sur la trilogie. Et du coup, c'est un rapport avec la légende du phénix qui renaît de ses cendres, etc. C'est pour ça, phénix. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il va renaître, etc. Je ne spoil pas la fin de la trilogie, parce qu'il y a toute cette notion aussi de c'est qui le premier phénix ? Oui. Voilà. Donc du coup, ça parle essentiellement de ses fils. Donc la trilogie va beaucoup parler de ses fils. Donc il fait quatre. Donc lui, le but de Lucifer, c'est de chasser l'obscurantisme sur Terre et d'y apporter, mais vraiment directement, la lumière de Dieu. Quelque chose du coup qui vient du cœur, quelque chose de bon, qui pourrait être jugé comme bon. Sauf que si tu fais ça, tu enlèves le libre arbitre aux hommes, puisqu'en gros, tu leur imposes la connaissance. Attends, je vais juste éteindre ça. Voilà. Tu leur imposes la connaissance de Dieu, ce qui ne fait plus la distinction du coup entre les anges et les hommes. Parce que les anges n'ont pas de libre arbitre, ils savent en fait. Ils savent que Dieu existe, ils le servent. Sur Terre, on a notre libre arbitre. Les hommes ont leur libre arbitre, c'est différent. Donc Dieu s'interpose parce qu'il n'est pas d'accord, parce que le rôle des hommes aussi, c'est d'avancer comme ça. Du coup, Lucifer, qui est très tenace, il insiste un peu trop. Poubelle aux abysses, au revoir. Sauf que toujours tenace, il lâche pas l'affaire. Donc, depuis les abysses, il crée quatre fils. Donc, Chester, Léo, Devon et Ryan, qui vont aller sur Terre. Et ils vont essayer, avec leur pouvoir à eux, de faire ce que leur père a toujours voulu faire. Sauf qu'une fois sur Terre, ça ne se passe pas comme prévu. Même si Lucifer il avait un plan de fou pour pas que ses quatre fils se fassent griller, en fait, dès qu'ils arrivent, Dieu s'interpose et il les rend à l'état d'humains. Ils ont juste une jeunesse éternelle. C'est tout ce qui leur reste. Ce qui n'est pas dégueu, déjà. Voilà, donc ils sont immortels. Alors, pas dégueu, mais à double tranchant. OK. Parce que du coup, l'essentiel, ça commence comme ça. Ça commence avec, du coup, quatre. Ni ange, ni homme. Avec aucun but. Parce qu'ils ne peuvent pas accomplir ce pourquoi. Enfin, ils ont toujours appris, ramener la lumière. Ils peuvent pas accomplir cette mission parce que pas de pouvoir, rien du tout.
et ils ne connaissent rien des hommes. Et en fait, il y en a certains qui vont se dire, en rencontrant certains hommes, ils ont le cœur bon, ces gens, mais du coup, qu'est-ce qu'on fout là ? Et ils vont aussi rencontrer des gens qui... ah oui, d'accord. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Sauf qu'on ne peut rien faire. Donc, en fait, ils vont errer pendant quasiment 5 siècles sur Terre, à faire des voyages, aller voir d'autres pays, avoir des guerres, avoir des gens bons, avoir des gens moins bons, des enfants, voilà, un peu tout. Et 5 siècles comme ça... Déjà, quand tu passes quelques jours sans but dans ta vie, c'est compliqué. Alors, bon, après, c'est à l'échelle d'ange. Hein, ils n'ont pas exactement la même échelle temporelle que nous. Mais du coup, ils commencent à sombrer. Et il y a des grosses tensions qui se forgent dans la fratrie. Et il y a deux frangins dans la fratrie. Donc, le leader et le petit dernier. Qui ne sont jamais d'accord, en fait. Ils sont d'accord sur rien et ils passent leur temps à ne pas être d'accord. Et en fait, va se créer une rivalité. Et en fait, du coup, donc l'essentiel, le tome 1, c'est l'histoire de l'acceptation dont je faisais mention pour moi. Parce qu'ils ont leur mission, mais du coup, en tant qu'hommes, ils vont aussi découvrir leur... ce qu'ils ont vraiment en eux, en fait, ce qui leur parle, et accepter cette partie d'eux. Parce que du coup, donc là, il y a Chester. Là, c'est Chester qu'on voit. Alors, la couve, en fait, elle est comme ça. C'est des anges gris. Ils sont gris. Ils ont de la peau gris métal. Et là, c'est un peu ce qui se passe dans la scène. Ça commence comme ça. Hein. Le bouquin commence tambour battant. Ils sont chopés par Dieu. Et en fait, il y a une pluie divine qui va les rendre hommes. Donc là, il est en train justement de devenir homme. Donc, tu as la peau humaine comme ça. C'est forme, voilà, c'est ça. Et en fait, tout le bouquin traite de l'acceptation de soi. Sauf que là, s'accepter pour eux, ça veut aussi dire enfreindre les règles essentielles et vraiment les points d'ancrage qu'ils ont toujours appris. Donc, le gros point d'ancrage, c'est uni quoi qu'il advienne. C'est leur père qui leur inculque ça. Quoi qu'il arrive, il faut que vous soyez unis. Sauf que, en fait, ça pose problème. Et en fait, il y a toute cette complexité. Donc, il y a un peu une notion psychologique dans le bouquin. Clairement, même, on dirait. Voilà. Et tu as deux points de vue tu as les deux points de vue de Chester et Ryan tout le long du bouquin. C'est à la troisième personne, mais tu vois les deux, en fait. Tu as leurs deux points de vue qui se chamaillent. Et voilà. Après, il y a une double lecture sur le pourquoi uni, quoi qu'il advienne. C'est un gros, gros sujet, en fait, dans le bouquin. Parce qu'ils sont créés d'une manière un peu spéciale. Et en fait, les quatre fils, c'est quatre entités de Lucifer. En fait, les quatre forment un tout. Ils forment Lucifer, Phénix. Et du coup, forcément, s'il y en a un qui n'est pas là, ça chamboule tout, quoi. Et du coup, il y a tout ce parallèle entre ce qui se passe dans la relation entre les quatre frères et dans ce qui se passe de façon interne chez Lucifer. Ouais, ok. Totalement corrélé. Et donc, voilà, ça, c'est pour l'histoire. Et donc, dans l'essentiel, il y a tout ce mélange de... il y a beaucoup de flashbacks. Il y a beaucoup de... il y a des flashbacks. Il y a des visions. Et en fait, tu vogues entre ce qui se passe sur Terre, donc avec les quatre frères et les quatre fils de Lucifer, et ce qui se passe dans les abysses avec Lucifer, lui qui est resté coincé, sachant que les deux peuvent pas, enfin ils ont trouvé aucun moyen de communication, en fait. Donc en fait, personne sait ce qui se passe, etc. Oui, ok. C'est un gros truc complexe.
Alors, j'ai eu beaucoup ça dans les critiques du bouquin. Faut rester un poil concentré. Les titres de chapitres sont assez importants pour ça. Ça ne spoile pas, mais y a un truc à choper. Et voilà, c'est l'histoire, en tout cas, juste de ce bouquin, c'est ça traite de l'acceptation. Voilà. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont s'accepter au final? T'as un peu la notion de, comment on dit, choisir, c'est renoncer. Ben voilà. T'as ce truc-là, en fait. Ah, c'est génial. Voilà. T'as tout ce truc-là qui est en jeu tout le long du bouquin, quoi. C'est génial. Et là, tu commences à bosser sur le 2, là. Demain, premier. Tôt. Alors, je bosse pas, enfin, je bosse sur un 1.2. En fait, du coup, je t'ai dit, dans l'essentiel, il y a quatre points de vue. Il y a deux points de vue. Et celui de Chester et Ryan. Et en fait, les deux autres frères, c'est à la fois des personnages principaux et en même temps écrits un peu comme personnages secondaires. Ils sont très très importants. Mais ils sont. C'est un peu des sidekicks, si tu veux. Et là, en gros, je me suis dit, tiens, quand tu commences un 2, c'est bien quand il y a un petit résumé du 1. Et en fait, je vais faire une sorte de résumé du 1, mais du point de vue d'un autre frère, en fait, d'un troisième, C'est génial. qui va pouvoir voir les deux à chaque fois. Tiens, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et donc, on va le voir de son point de vue. Alors lui, pour le coup, ce sera certainement une nouvelle. Je sais pas combien de pages ça va faire. Je sais pas. J'aurais envie de le. Je suis partagé entre le proposer gratuitement ou pas, dans le sens où je me dis, si je le fais, ça peut peut-être spoiler le 1. Vous Voilà, donnez envie de je le vogue lire. un peu. Ouais, je vogue un peu, je ne sais pas trop. Et surtout au niveau de la trame de l'histoire, je ne sais pas où est-ce que ça se termine. Ok, d'accord. Parce que là, pour l'instant, j'ai écrit, c'est genre 2-3 semaines après la fin du 1. Mais je peux le faire un petit peu avant aussi. Donc, je ne sais pas trop. Tu verras ça. Et Et tu as une idée voilà. de date pour la... à peu près, hein, pour l'apparition du deuxième? Ah, du deuxième. Ah, le deuxième, j'aimerais bien que ce soit. Alors, j'aimerais bien que ce soit cet été. Parce que ça peut aller très très vite, en fait, quand tu es à temps plein. Et je sais qu'au premier, je ne savais pas écrire. J'ai mis 2 mois et demi au final. Donc voilà. Et il faut aussi que je me mette vraiment. Parce que j'écrivais plus de 10 heures par jour aussi pour le premier. Ça joue. Ouais, ça joue. Bah, en gros, j'écrivais 4 à 5 000 mots par jour en écriture. Après, tu sais, il y a eu la réécriture, tout ça. Et voilà. Et C'est dans génial. le 2, du coup, il y aura les 4 points de vue. Je vais travailler sur les 4 points de vue. Et dans le 3, si je réussis à faire ce que je fais, il y aura point de vue omniscient, total, Charmé. de En plus, tout c'est les ton mêmes, le boulot. récit sera progressivement plus en plus large, quoi. Ouais. Et au niveau du fantastique, ça progresse aussi. Dans le 1, il y a des notions de fantastique. Donc, je dirais qu'il est un tiers fantastique, c'est un tiers fantastique, 2 tiers drame. Le 2, j'ai envie de l'écrire plus comme un thriller fantastique, mais vraiment moitié fantastique pour le coup, enfin, moite-moite, quoi. Et le 3, ça va presque être de l'épique fantastique. Charmé. Le 3, Ça va être le bordel? c'est un sacré bordel. Ok, génial. J'ai hâte de lire ça. Ça va être très très cool. En tout cas, j'ai adoré le pitch. J'ai donné envie de le lire en vrai. Vraiment, très très sincèrement. Et Mis 5 minutes ou pas? franchement, t'as mis un peu plus, mais ça valait le coup, tu vois. Et franchement, très très cool. J'ai bien aimé l'idée. J'espère que ça va bien se passer pour l'écriture de ton. C'est pas un spin-off du coup, mais de l'annexe, quoi. Tu trouveras Ouais. un nom plus adéquat. Et pour le deuxième Ah, tome, si c'est l'idée. j'ai les titres.
Oui, j'imagine. Trop bien. Je suis très content. Et je te remercie de toute façon, encore. Dis-moi. Attends, je les donne les titres parce que je les ai déjà donnés. En fait, donc, l'essentiel qui est le premier tome est un jeu de mots avec l'essentiel. Enfin, quand tu le dis, tu ne sais pas comment ça s'écrit. Ah ben, je ne pense pas à l'essentiel, en tout cas. Voilà. Le 2, c'est, enfin, le 1.2, c'est le puits sans tombe. OK. Donc, pareil. Ouais. Le 3, c'est aliéné. Le 2, pardon. Le 2, c'est aliéné. OK. Et le 3, logiquement, ça va être le premier phénix, en fait. Vu que c'est pour boucler ce truc-là. Logiquement, c'est le premier phénix. Enfin, j'en ai parlé à mon meilleur ami qui me dit « Oh, j'aime pas quand le dernier nom de la saga, c'est le nom du titre de la saga. » Moi, j'aime bien. Mais je trouve que ça a du sens de le faire. Ouais. Ça a du sens. Trop bien. Donc, voilà. Je cherche aussi les titres en anglais. Ouais. Ah, ça, par contre, ouais, là, tu vas avoir un autre problème. Parce que l'essentiel, non, ça ne marche pas. Non. Ah, ouais, là, tu vas trouver des astuces. Non, je vais partir sur un titre autre, quoi. Faut que je parte sur une autre idée. Ouais. Mais donc, voilà, j'aime bien aussi cette notion de faire des petits jeux de mots qui parlent pour deux choses. Vu que j'ai créé un univers assez complexe. Bien sûr. C'est assez riche. J'en discutais avec Marie pour faire la couve. Je lui dis, mais moi, ma couve, je ne veux pas qu'elle soit mytho. Ouais. Je veux que si on trouve ma couve complexe, c'est parce qu'à l'intérieur c'est complexe, tu vois. Mais au moins tu sais, je vais pas embarquer. Tu sais où tu vas, quoi. Voilà. Je vais pas embarquer quelqu'un qui a envie de lire des trucs un peu plus légers, parce que je vais me taper un 2 étoiles sur Amazon. Bah, c'est clair. C'est genre vraiment erreur sur la marchandise, tu vois. Publicité mensongère, tout le tralala. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ça va se passer comme tu veux. Et c'est grave, ça a l'air très prometteur. Et franchement, ça donne très très envie. Je pense que je ne suis pas le seul à qui ça a donné envie. Quoi. Je te souhaite énormément de courage pour l'apparition du deuxième tome. J'espère que ça va se passer comme tu veux pour le deuxième, pour le troisième et pour les scénarios d'après. Pour tes projets qui suivront. Quoi. Et je te remercie encore énormément d'avoir accepté l'invitation pour l'interview. Moi, j'ai kiffé. Franchement, grand merci. Ça me fait plaisir. Grand merci. J'espère qu'on pourra en reparler à la sortie du deuxième, si tu veux. Bah yes, hein, avec plaisir. Hein. Puis merci à toi pour ce que tu me remercies, mais merci à toi pour... J'adore... Je fais que ça, chatter avec les auteurs. J'adore ça. Le côté social dans réseau social, c'est Noémie Bourgois qui dit ça tout le temps, et elle a bien raison. C'est clair, je suis très d'accord. Ben, je te remercie énormément et puis on aura grave l'occasion d'en reparler, que ce soit là, sur Instagram, sur YouTube, n'importe où quoi. Yes. Non, merci Xavier, prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Merci à toi et à la prochaine. Ouais, salut et j'espère tout le monde, que ça vous... Ouais, j'espère que ça vous a plu. Salut, à bientôt tout le monde. Et n'hésite pas à aller voir le compte Instagram de Xavier, je mettrai le lien dans la description, ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà, prenez soin de vous tout le monde. Ciao. Ciao.